Et à la mi-journée, les choses se compliquent fortement. Il y a de grosses difficultés, de grosses zones de ralentissement et on part tout de suite dans le quart nord-ouest du pays où ça coince à côté des grandes agglomérations. Mais c'est surtout entre Bordeaux et Poitiers et même Tours que ça coince avec, vous le voyez, un temps de parcours très très long entre Bordeaux et Poitiers puisque vous êtes très nombreux à remonter vers le nord. Autre zone difficile, et c'est habituel, c'est la vallée du Rhône, l'autoroute A7, avec là aussi des temps de parcours beaucoup plus longs que d'habitude. Et toujours ce secteur d'Aix-en-Provence aussi, où il y a un accident qui ne vous facilite pas les choses en ce moment. Plus au sud, la frontière espagnole se charge également. Et puis du côté de Narbonne, vous êtes également très nombreux entre l'A61 et l'A9. Quelques difficultés aussi du côté de Nîmes. Prochain point dans une heure.